Yo la lavande, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Beyondists. Donc les Beyondists, c'est un jeu Roblox payant qui est un peu comme, je veux pas dire n'importe quoi, mais ça, pour moi ça ressemble quand même un petit peu à The Last of Us, sauf que c'est sur Roblox. Donc en gros, on apparaît là-bas, on traverse le chemin ici pour aller au bateau et aller dans le village. Dans ce village, on peut faire sa nourriture, etc. On peut cultiver, on peut faire sa petite vie. Et la nuit, on nous éjecte, pas du village, mais les genres de modérateurs nous met dans le vrai village. Donc là où il y a toutes les maisons, etc. Pour survivre. Enfin, pour. Enfin, pas pour survivre, mais. En gros, ils nous jettent un peu dans la fosse lion. Donc, vraiment pour nous tuer, en gros. Et si on arrive à se cacher dans le village des modérateurs, qui s'appellent les Moas, eh ben, ils nous mettent en prison. C'est l'endroit le plus sûr, mais il vaut mieux pas y aller. Et donc, en gros, dans ce village, là où les Moas nous met, bah, y a des gens, des cannibales, qui se transforment la nuit. En fait, non, ça ressemble pas du tout à The Last of Us, mais c'est pas grave. Donc, il y a des gens qui se transforment en démons la nuit et qui viennent défoncer ta porte de ta maison pour te manger. Et pour survivre à ça, dans ta maison, il y a la porte d'entrée, là où ils démontent ta porte. Et il y a plein d'autres issues. Donc t'as juste à ouvrir un truc et tu peux directement passer. C'est une porte coulissante. Et c'est comme ça qu'on survit. Pour survivre, il faut aussi manger. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je devais expliquer. Ah oui, et il y a aussi... donc il y a les Moas, les modérateurs, qui peuvent créer des mini-jeux pendant la journée. Et même pendant la nuit s'ils veulent. Et il y a les Nurses qui viennent te débloquer. Donc par exemple, si t'es bloqué quelque part, etc., ils te tuent, ils te portent, ils te mettent à terre et ils te remettent en vie. C'est un moyen très efficace de te sortir de la merde, en gros. Enfin bref, et donc bah voilà, c'est à peu près tout pour l'explication. J'espère que vous allez comprendre ce que je fais, parce que sinon c'est un peu galère. Donc voilà, là je vais dans le bateau pour aller au village, mais je suis pas sûre qu'il est encore ouvert, parce que, en gros, avant d'entrer dans le genre de village des modérateurs, les Moas, il y a une grande porte, une genre de porte d'entrée, que la nuit, les Moas, ils les ferment, quoi, juste pour être sûr, pour être en sécurité. Mais du coup, je sais pas si là, c'est vraiment bien la nuit pour eux et qu'ils ont déjà fermé la porte ou s'ils ont attendu. Je sais pas. Il y a plusieurs pauses. Donc, par exemple, il y a pour s'asseoir. Voilà. Une autre emote pour s'asseoir. Je l'ai mal fait. Voilà. Il y a aussi la pose du Titanic. Enfin bref, il y a plein de poses possibles. J'en ai découvert que 3 pour le moment. Le bateau il va très lentement par contre. C'est le seul petit défaut. Donc le jeu il coûtait 80 Robux. Oula, j'ai un peu bugué. De base il coûtait 80 Robux, mais maintenant il coûte dans les 300, etc. Ils ont complètement abusé sur les prix. Moi j'ai pu l'acheter parce que j'en avais beaucoup des Robux, donc ça allait. Mais bon, en vrai ça va parce que j'y joue beaucoup et que c'est grave rentable de l'acheter. Mais ils ont quand même... S'ils auraient pu le mettre un peu moins cher, je suis sûre qu'il y aurait plein d'autres personnes dessus. Sur leur jeu. Donc quand vous arrivez ici, vous avez juste à aller
aller là. Cliquez ici et il y aura un genre d'ascenseur qui va descendre. Donc je vais vous faire une coupure parce que c'est assez long. Donc voilà, là je suis bientôt arrivée. Donc voilà. Quand vous vous retrouvez ici, vous avez deux chemins. Prenez toujours celui-là parce que celui-là c'est le plus long. Et qui ne sert presque à rien. Si vous voulez aller visiter, allez-y. Hein, mais voilà. Donc voilà. Là, j'arrive pas encore au village. Là, c'est juste les champs. Donc les champs, il y a des gens qui viennent cultiver. On peut même cultiver nous-mêmes. Moi, je vous conseille vraiment de prendre ces fruits là parce que c'est ceux qui vous donnent le plus de nourriture et le plus d'énergie et qui vous remet le plus de vie. Pas d'énergie parce que l'énergie on peut pas. Pour l'énergie on doit dormir en fait. On doit juste aller dormir et l'énergie remontera. Donc c'est ça la grande peur dont je vous parlais. Donc c'est ça, donc ça c'est le village des mois. Donc voilà. Ah. Là c'est un mini-jeu je pense parce que ils viennent à peine d'annoncer. Enfin, ils viennent d'annoncer quelque chose et c'était ici, donc je ne sais pas, ils font quelque chose bizarre. Là, c'est... ici, c'est les cuisines, voilà. Voilà, ici, c'est les cuisines. Donc, vous prenez un bol. Et vous vous mettez ici quand vous avez des fruits. Et vous mettez cook. Comme ça. Après vous mettez prépare. Moi là il y a j'ai que des durian soup, donc je mets durian soup et là ça prépare ma soupe. En attendant je vais chercher un autre bol. Voilà, donc c'est vraiment une genre de petite routine comme ça que vous faites genre tous les jours vous venez ici, la nuit vous allez là-bas. Donc je vais couper, je vais préparer mes soupes et on se retrouve après. Donc voilà, là j'ai déjà deux soupes, je vais le faire dans une maison parce que là-bas je sais pas, j'ai l'impression que la nuit va bientôt tomber, donc autant déjà prendre une maison pour ne pas devoir se précipiter après. Je prends souvent cette maison. Ah bah bien sûr elle est fermée. Youpi. Une maison au hasard. Ah. Je pense que les gens ont fermé toutes les maisons. Ah non voilà. Ici c'est bien. Donc je vais fermer. Je n'y arrive pas. Donc voilà. Close. Oh non. Oh voilà c'est bon. Et lock, voilà. Ah yes, c'est la double maison. Donc là, je suis tombée sur la double maison. Ça tombe bien, c'est bien, etc. C'est pas grave. Au pire, dans le pire des cas, justement, j'ai une double maison, donc ça, c'est bien, c'est amusant. Donc voilà, je ferme toutes les portes. Donc ça, c'est les issues de secours, ces genres de portes-là. Voilà. Parfois elle ne se ferme pas, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Je vais préparer une soupe. Donc voilà, là j'ai fini mes soupes et là je peux dormir, etc. Pour regagner l'énergie. Donc voilà, ça c'était plutôt une vidéo explicative du jeu. Je ferai d'autres vidéos où je jouerai vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ciao !